Coucou les amis, c'est Raizan et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette série, vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser, puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro. A tout de suite. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Signs of Free Mifa. いかにも。 Donc comme d'habitude les amis, il nous faut la map pour commencer. Bon bah comme d'habitude les amis, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à checker la playlist en description pour suivre la série. Puis nous on est parti. Je pense que je vais me prendre un petit arc basique de linéel durable. Ouais ouais ouais. Sinon j'ai l'arc du faucon aussi qui peut faire le job. Ça va être sympa. Une épée de soldat ça fera un... Non Zora allez. J'aime bien. On va partir comme ça. C'est beau non? Je pense que je vais garder l'armure de Mifa, j'aime bien. Ah n'empêche le combat, il était ouf, il était super rapide. Peut-être que je ferai une vidéo à part, en mode super... juste le combat en fait. Parce que c'était beau, c'était magnifique. Et un peu inattendu pour ma part. Je pensais pas que ce serait aussi simple. Alors il y a un petit gardien là vite fait. Bon rien qui me fasse peur honnêtement, pour l'instant. Il y a un œil. Ce truc là c'est des glaces. C'est sûrement quelque chose. Genre là. Non, tu ne peux pas passer, élu. Alors voyons voir, qu'est-ce qui manque? Peut-être ça? Oh, oui. Ça, je peux. Tablette Shaker reconnu. Non, t'as pas fait dans le bon ordre. Et... merci Mifa. J'ai activé un terminus, mais... La map. Est-ce qu'il faut que je fasse ça peut-être? Ouvre-toi. Voilà. Là, on est bon. Tablette Shaker recueillie. Obtention de la carte en cours. Alors, il reste 3 terminaux, je pense. Bouger la trompe,
Ah non, j'en vois un quatrième au niveau de la trompe. Ok, il en reste quatre. D'accord. Donc chaque créature divine a un mécanisme qu'on peut interagir avec. L'éléphant, c'est la trompe. Le piaf, c'était les ailes. On pouvait le faire pencher. Plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Et toute la carte, elle se basculait. Ça, c'était plutôt cool. Donc le machin qu'on vient d'activer, c'était ça. C'était un terminal. Un terminal de contrôle, en fait. Si je veux récupérer le contrôle de l'éléphant, il faut que je les active tous. Ça marche. On va faire notre mieux. Je disais, on va faire notre mieux, les amis. Voilà. Alors, maintenant qu'on a la map, je vais pouvoir un petit peu voir où il faut aller. Ça, ce sera le boss, ici. Je m'en rappelle. On le reconnaît à la forme, de toute façon. Et ça, c'est costaud, quoi. Ah, mais c'est vrai que j'ai le pouvoir de Revali maintenant. Je peux en profiter. J'en ai un que je peux activer à tout moment si je veux. Ram, ram. Ça va être utile. Genre là, tiens, pour le fun. Après, il rechargera au pire. Ça, c'était un saut avec le bouclier. Je fais X, j'active mon bouclier comme ça. Avec ZL et j'appuie sur A. Mais dans les airs. Et ça fait ça à peu près. C'est une petite astuce d'oreille. Ah, ça c'est cool. Encore une fois. Regarde un petit peu ce que tu vois là. Un œil pas gentil. Un coffre. Je me mets à l'abri. Il y a un truc pas gentil en face là. Non. Ah ah! Tu peux rien contre moi. T'es pas assez précis. Vas-y, on va aller voir ça. Alors la lance... Je vais jeter un truc peut-être si je peux. Je prends ta lance. Ça j'active. Oh, cascade. Intéressant. Alors, non. Enfin, je peux descendre, mais... Je sais pas. Maintenant que je suis en haut, qu'est-ce que je peux faire? Je peux descendre aussi par là. Ou je peux passer par là. Y'a quoi là-bas? Y'a peut-être un truc intéressant, les amis, on va checker ça. De toute façon, on peut remonter avec la cascade. Une trompe. On peut voir, y'a un œil. C'est marrant ce truc. On va aller voir ça. Je fais ton coffre. Je me rappelle qu'avant je galérais à te choper petit coffre. C'est juste pour ça en plus. Et il y a un terminal. Au niveau du coffre, ok. Donc ce que je peux faire... La lever peut-être comme ça, on verra ce qui se passe.
je me sers du coffre pour pas trop tomber si c'est possible. Attention à l'eau. C'est intéressant comme stratégie avec le coffre. Alors attends, il y a vraiment un truc dans ta trompe, c'est ça? Je vais te laisser comme ça, Pien. Trop haut? Peut-être un peu moins alors? Je sais pas si ça passe, mais on teste. Oh! T'es là en fait! Ok. Allez, ben. Wouh! Tu m'as fait peur! J'essaie de le mettre à peu près droit. J'espère que ce sera pas trop. Là, on est bien. Je l'active. Encore 3. Ok, alors. Il y a un truc moche ici avec un coffre. Et il y a un œil là. Je vais m'occuper de l'œil. Allez, oust. Après, pour ce coffre, faut que je refasse le chemin. Ouh. Oh oh, je suis tombé. No. Attends, il y a un truc dégueulasse. Là. T'as plus de flash ray. Ça, je vais t'activer. Swat. Shot. Je pense que c'est pas mal. On va te mettre là. Tu vois des flammes, on va éteindre tout ça en fait. Please. Oh. Attends, ça allait trop loin, c'est ça? Viens. Bah parfait. Eh ben, je connais pas du tout le truc par cœur, mais j'y vais un peu au pif. Et ça se passe plutôt bien. C'est beau. T'avais Cheka reconnu. Après, il en reste deux. C'est pas encore gagné. Ah ouais, ils seraient où les deux? Dans les rouages. Oh. Petit coffre. Alors la lance. L'arme de balle. Cette lance en quoi? L'aile de barbe. Elle est plutôt classe, mais j'aime bien les trucs de gardien. Donc je vais garder ça. C'est juste pour valider. Je sais même pas si elle a validé en fait. Et le révalide, je l'utilise, c'est pas grave. En fait, je suis juste curieux de savoir ce qu'il y a dans ce coffre.
Puis il y aura peut-être des curieux parmi vous aussi qui voudront savoir. Flèche de glace, ça vaut le coup. J'aurais pu refaire la trompe et tout, mais ça aurait été plus long. Donc autant faire le raccourci. Ensuite... Donc dans ces rouages, il y aura un truc. Nyeh. Il y a un coffre. Et il y a ça. Donc ça veut dire envoie de l'eau ici peut-être. Ça, j'ai un vague souvenir pour ça. Ça, ça doit dépendre de cette boule. Ok. Et ça, faut que je piège celui du haut. Comme ça. Je prends ce truc et je me casse. Please, pas fuel. Oh, un cœur. C'est beau, ça. J'aime bien les cœurs. J'avais besoin de ça pour Sinitis. Mais vu que j'en ai peu. Et ensuite... Là j'ai une idée. Ça c'est pas un truc que j'avais fait mais... Est-ce que je peux inverser ? Être comme ça. J'essaye de bouger la trompe en fait là. Ouais, ça marche. La dernière fois, j'avais fait une autre méthode. Je crois. Un peu plus bourrine. Moins finesse. Ok, plus qu'un dernier les amis. J'imagine ça veut dire qu'on se débrouille un peu mieux. Et le dernier, il est dans un petit rouage. Ça, je crois qu'il fallait faire ça en fait. Avec un bon timing. Oui, je m'en souviens. J'ai fait comme ça, mais j'ai bien galéré la dernière fois à trouver. David Sheka reconnu. Oh. En gros, elle me dit d'être prudent. Et ouais. Donc le gros point, ce sera l'œil et le bas. On peut le voir, il est dans les fesses de l'éléphant. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est ça. Il y a juste un petit coffre que j'ai vu là. J'ai envie de savoir ce que c'est. Pose-toi délicatement, petit Ray. Petit rubis, je dis pas non. C'est un tout petit bonus, mais c'est dans la poche. Bon bah les amis, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Franchement, plutôt rapide, plutôt efficace. Ça pourrait même faire une solution si jamais vous êtes bloqué. Pourquoi pas, dans ce donjon. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à bientôt les amis, à plus. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, c'est...